Contact. Africa Rice Sandwich. Voilà. Non, mais l'exportation, l'Afrique a un très grand potentiel en termes de terre, d'eau et aussi de ressources humaines. Donc, et de plus en plus, l'Asie devient demandeur de plus de riz. Donc, l'Afrique peut, en développant son potentiel, bien exporter du riz d'Afrique pour l'Asie dans les années à venir, si l'on met en œuvre toutes les stratégies qui sont développées par les États. Comme objectif, nous voulons avoir ici un centre de formation au métier de l'agriculture. Avoir un ensemble de métiers de l'agriculture, de la riziculture, et qu'il y en ait des jeunes formés qui peuvent faire la prestation de services, qui peuvent avoir des emplois agricoles bien rémunérés au niveau des différents bassins de production de riz irrigué. Et aussi, par rapport à cette formation, c'est d'outiller les différents conseils agricoles sur les bonnes pratiques de riziculture pour que cela, au retour, puisse partager ça avec les producteurs, les autres acteurs de la chaîne de valeur et améliorer la production, la productivité, la qualité du riz produit dans notre pays. Nous sommes cédés le corps à l'acteur. Moi, Baikati, moi, Jaikati, moi, nous sommes les gens qui ont l'outil Tchèque. Nous sommes cédés le corps à moi, appuie conseil. Sun taxaway ci PEC moy bi par exemple renforcement capacité bi moy ben moy sun taxaway PEC di jappalé pour que à conseiller agricole yi liggé ci PEC bi ñu mën ci jappalé baykat yi sun taxaway tamit moy Africa Rice di day jappalé Sénégal pour semences pré-base mu doy sun taxaway tamit moy du jox sun xalat ci stratégie Sénégal du développer. Oui, bonjour, Sadeli, directeur régional du développement rural de Saint-Denis. Bon, là, vraiment, aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir des amis, des frères venant de différents pays au niveau du centre d'Africa Rice, centre de formation d'Africa Rice. C'est une formation qui vient en appui, surtout dans le cadre de la filière riz. C'est-à-dire, c'est un renforcement de capacité des pays dont Africa Rice est partenaire. Donc, c'est toute la chaîne, c'est-à-dire du semis jusqu'aux opérations de post-récolte qui seront revisitées durant ces 3 semaines. Donc, on a des amis et frères qui venant de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Niger, du Madagascar. Donc, toutes ces personnes venant de divers horizons où nous avons des sociologues, nous avons des techniciens de labo, nous avons des agents d'encadrement, que ce soit de la SAE, de la SODAGRI, qui sont présents lors de ces 3 semaines, vont nous permettre une meilleure vulgarisation, une meilleure compréhension du sujet riz. Donc, ce qui va faire, parce que comme vous le savez bien, actuellement le riz, c'est une denrée stratégique pour l'ensemble des pays dans le monde. Et nous savons actuellement, avec les changements climatiques qui se passent au niveau de l'Asie, donc d'ici quelques années, on aura à voir les pays asiatiques venir s'approvisionner en riz au niveau de nos pays. Donc, ce qui constitue une aubaine pour notre économie, c'est-à-dire une plus-value. C'est pourquoi, dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, l'État, c'est une vision que le président a posée, donc atteinte d'autosuffisance en riz en 2017. Ce qui fait que si nous arrivons d'abord à nous autosuffisir en riz, ce qui fera que d'ici 2017, on aura, peut-être même après 2017, donc à avoir un surplus en production de riz, donc de là on pourra exporter notre riz. On ne sera plus importateur de riz, mais exportateur de riz. Donc ce qui va peser beaucoup sur la balance commerciale de notre pays. Donc de ce fait, encore une fois de plus, nous magnifions cette collaboration avec Africa Rice, qui n'est pas sa première, donc de vouloir venir renforcer les capacités de nos techniciens. Je vous dis, Lien Diadjefer.
di remercier encore une fois Africa Rice nga xamni mom mo woté séance formation bo xamni ñetti ay bëss lay ki ñetti ay bëss yi dañuy xolat depuis jiw ciép ba nga xamni ay ni ngi waxé opération battage récolte ak yoyep parce que bo sétlo bu baax ñi fi ñew tay toll nañ ak juroomi dëkk yo xamni réew yo xamni ñofu ñew muy wa Madagascar wa Côte d'Ivoire wa Mali wa Sénégal wa Niger ñepp nga fi donc da fay firné rek Africa Rice solo bu mu am ci biir région donc bu ñëwé ñu yokal leen xam xam c'est à dire waxna ci biir salle bi sax affaire bi du ñëw rek jël xam xam ci Africa Rice mais dañu wara wéccio xalaat ñom dañu indi sen xam xam Africa Rice yoy ay formateur yu xarañi donc dañu wara wéccio légui buñu wéccio ba paré bo ku nekk bu délo dëkkam dina mëna wasaré liggéey bobu Africa Rice jox leen légui aussi bu bo xolé bax wa Israël ñu fion wa Say dañ fion yoy yep pour woné dégg way bi Africa Rice yoré ci mbirum Sénégal bo sété bara Africa Rice lim ñu dimbali Sénégal bari na muy affaire semence pré-base bo sété aussi les variétés aromatiques muy Sahel 177 Sahel 328 Sahel 329 yoy yep Africa Rice moko créé légui joxoñu wasaré ko actuellement donc pour nit ñi né xamni variété yoy dafa melni basmati rek donc lool yep di wonné aussi bo sété bu baax aussi actuellement ciép niko Sénégal jëlé donc bo sété campagne 2014 presque wañi nañu importation yi 200 000 tonnes sun objectif 2015 c'était de wañi waat ko 500 000 tonnes c'est-à-dire parce que xam nañu problème yi am yu dëkk Asie muy Chine yenn dëkk yi bay ciép jafé ñu am ak changement climatique lool da fay wone bu ñëwé dinañ tok bu mu yag nga xamni ñom ñoy ñëw di jënd ci ciép suñu réew yi lool li da fay indi renforcement bo xamni da fay dolel société yi mu melni Said wala Sodagri nga xamni sen xaral le sen jumtuay nga xamni dañu mëna ëlëk ci biir après 2017 buñu atteindre autosuffisance ba paré nit ñi di mëna yobbu légui ciép bitim réew wala ñuy jéggane ciép dañuy yobbu ciép légui bitim réew c'est-à-dire dañuy exporter lool da fay yok lu bari bari ci kom kom réew jërëjëf